pays qui intéresse, qui suscite la curiosité. L'Inde fascine. Et le problème de la fascination, c'est que quelquefois, ça empêche de voir effectivement ce qui se passe. On est saisi, le regard s'obscurcit et on finit par oublier de voir le réel. Donc je vais lancer 4 pavés dans la mare de la fascination concernant l'Inde. Le premier, c'est celui de ce pays que nous baptisons l'Inde. C'est la partie en clair, mais vous voyez que on a des territoires qui sont découpés, qui vont du Pakistan jusqu'à la Birmanie, et qui jusqu'en 1937 faisaient et constituaient l'Empire des Indes. Et j'insiste sur le pluriel des Indes, parce que la fascination occidentale est née quelque part dans la fin de la période médiévale, autour de l'apport des épices sur les marchés, par les commerçants qui en assuraient l'intermédiation au sein de l'Empire abbasside, les commerçants musulmans. Et on s'est donc mis à rechercher les Indes. On les a trouvées d'abord dans l'Atlantique, tout à fait à l'ouest. Ce sont les Indes occidentales, en fait les Caraïbes. Là, il y a eu Maldon. Donc on les a cherchées ailleurs. On a fini par trouver les Indes, celles qui sont là. Puis on a trouvé l'insule Inde, un peu plus loin, où il y avait aussi du poivre, la maniguette, etc. Donc dans le débord du Pacifique, bref. Pour les Occidentaux, l'Inde, c'était un truc assez indéfinissable, assez inlocalisable, et c'est pour ça qu'on avait ces pluriels qui sont intervenus. Alors, l'Inde, en tant que pays, aujourd'hui, là je parle de celui que l'on connaît, c'est un pays assez gigantesque, 3 millions, pas tout à fait 3 millions et demi de kilomètres carrés, comment vous la rappelez, 1 milliard 300 millions d'habitants sur la planète, c'est-à-dire pratiquement un septième de la population planétaire, et un pays qui est, par son poids de produit intérieur brut, le septième pays dans le monde. Donc c'est apparemment une puissance qui pèse lourd au plan économique. Mais si l'on regarde d'autres données, on se rend compte qu'il y a ici un problème considérable, celui de la pauvreté, puisque le PIB ramené par habitant est à peine de 1 500 $ par tête, ce qui fait à peu près 2,5 $ par jour pour vivre. C'est surtout le 132e indice de développement humain. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. Indice de développement humain, c'est le niveau de la santé, le niveau de l'éducation, le niveau de la protection sociale, etc. Et voyez que l'Inde, là, figure dans les bas du tableau sur les 182 pays qui sont classés par l'Organisation des Nations Unies. Enfin, c'est le 12e commerce extérieur de la planète. 1 milliard $, c'est à peu près l'équivalent, un petit peu moins, que le commerce extérieur de la France, avec ses 50 millions d'habitants. Donc voilà, si vous voulez, pour vous caser un peu ce territoire, qui a reçu 8 millions de touristes extérieurs. C'est quelque chose, si on veut comparer pour un pays qui a à peu près la même population que la Chine, c'est à peu près 9 fois moins que le tourisme sur le territoire chinois. C'est donc un pays dont on a l'impression qu'il est méconnu. On y va sur un coup de cœur, on y va par fascination, mais apparemment c'est un pays qui reste encore avec beaucoup de secrets. Le premier des éléments et de ses secrets, c'est que l'Inde, telle que nous la voyons, est une invention britannique. C'est une invention récente. C'est un pays qui n'a jamais existé. C'est que l'Inde, dans le territoire qu'on regarde, n'a jamais constitué une entité politique unifiée. J'ai repris 3 grandes étapes. Le plus ancien, et qui a été le regroupement peut-être le plus conséquent, c'est celui qui a été constitué par l'empire d'Ashoka, qui, après avoir mené des guerres de conquête absolument sanglantes, épouvantables, s'est converti au bouddhisme, a constitué un empire bouddhiste, et pour bien marquer l'appartenance de son territoire au bouddhisme, il a balisé les confins de son territoire par des bornes qui portent cet édit
d'appartenance à son empire et d'appartenance au bouddhisme. Mais vous voyez que le Sud n'est absolument pas concerné. Deuxième type d'empire, l'empire Gupta. On est au 4e siècle après Jésus-Christ, on fait un bond là à peu près de 6-7 siècles dans le temps. La civilisation des Gupta est quelque chose d'extrêmement important. On lui doit en particulier un style de sculpture qui continue à être aujourd'hui parmi les plus évocatrices de ce que l'on a en tête à propos de l'Inde. Ce déhanché des femmes, ces seins bien ronds, ces hanches garnies, fournies. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un empire qui, en fait, ne concerne pratiquement que la vallée indo-gangétique. Le nord de l'Inde n'est pas du tout le plateau du Deccan et la pointe sud. Troisième étape, c'est celle qui va être ici constituée par les sultanats de Delhi, puis ensuite l'empire moghol. C'est-à-dire, à partir du XIIe siècle et des invasions musulmanes sur le territoire de l'Inde, le pouvoir passe aux mains des représentants de l'islam, d'abord sultanat de Delhi, puis ensuite à partir du XVe siècle, dans les mains des Moghols. Babur est un descendant de Gengis Khan et qui vient, à partir de la passe de Khyber, s'installer et maîtriser la totalité de la plaine indo-gangétique. Il meurt sur une partie du Deccan, mais vous voyez que, là encore, le sud reste complètement à l'écart. Il va y avoir simplement, tout à fait à la fin de la période, sous le sultanat de Aurangzeb, une conquête, en 50-60 ans, de toute cette partie du Deccan, mais qui ne va pas être durable, puisque, à la mort d'Aurangzeb, l'empire se disloque, et on a une série de royaumes qui se mettent en place, et qui vont marquer cette fragmentation avec lesquelles les Britanniques vont devoir faire affaire. Il y a donc ici, sur cette carte, les États princiers qui n'ont jamais connu de domination, ne sont représentés que les plus importants, qui sont ici en bois. Il y en avait plus de 300 et quelques au moment où les Britanniques arrivent. 300 et quelques États princiers, dont quelques-uns avaient une dizaine de kilomètres carrés, hein, c'était une ville, etc., qui avaient leur autonomie. Et on avait d'autre part une dislocation du pays avec une présence de l'islam extrêmement importante et forte, et une présence de l'hindouisme, principalement dans ces États princiers. Dans les forces, au moment où les Britanniques vont entamer la conquête de l'Inde, finalement, les meilleurs défenseurs de l'indépendance de l'Inde contre la colonisation vont être les musulmans, et notamment dans le sud de l'Inde, Tipu Sultan, qui va, avec l'aide des Français, organiser une résistance qui va permettre de retarder la conquête totale par les Britanniques. Ce qui fait que les Indiens, aujourd'hui, dans les limites du pays que vous connaissez, sont extrêmement gênés de cette histoire. C'est-à-dire que, alors que les Maharajas ont été hindouistes, ont été plutôt collabos et ont traité avec les Anglais, la défense a été liée aux musulmans. Et la deuxième chose que vous connaissez, c'est que, bien évidemment, quand on reçoit un hôte de marque en Inde, on l'emmène voir le Taj Mahal, qui est bien entendu un magnifique monument de l'islam et pas un monument hindouiste. L'Inde a toujours été fragmentée politiquement, fragmentée religieusement. La domination anglaise s'est imposée de façon administrative et avec des forces supplétives. Il y a eu au maximum de l'empire, de la présence coloniale anglaise en Inde, 100 000 Britanniques. Sur un territoire qui aujourd'hui correspondrait du Pakistan et d'une partie de l'Afghanistan jusqu'à la Birmanie. 100 000 hommes qui ont tenu le territoire. Ça suppose évidemment des forces supplétives et beaucoup de collaboration. Donc en 1947, l'Inde que nous connaissons devient indépendante, mais la question qui était posée, c'est est-ce qu'elle devient indépendante dans les limites qu'avait l'Empire britannique, ou bien est-ce qu'elle va devoir être coupée? Et là, le sort de l'Inde va être lié à un personnage extrêmement maléfique de mon point de vue, Jinnah,
qui, à un moment donné, alors qu'il était membre du Parti du Congrès, décide à partir de 1936-37 pour combattre l'influence de Gandhi au sein du Congrès, décide de revendiquer auprès des Anglais la création d'un État musulman, d'un Pakistan, c'est-à-dire d'une terre des purs. Et les Britanniques, croyant encore en 1937 pouvoir éviter l'affrontement avec le mouvement que portait Gandhi, vont accéder à sa demande et finalement, contre la position de Gandhi, contre la position de Nehru, contre la position d'un certain nombre d'hommes politiques qui voyaient que ça allait au désastre, les Britanniques envoient Radcliffe, un honorable notaire britannique qui n'a jamais foutu les pieds en Inde, et à qui on dit « Vous avez 4 semaines pour tracer la ligne de démarcation pour créer le Pakistan ». Et la coupure va être effectuée, effectivement sanglante, puisqu'il va falloir vidanger une partie des musulmans qui étaient en Inde vont vouloir se réfugier au Pakistan. Une partie des hindous qui étaient sur le Pakistan vont vouloir se réfugier en Inde. Le total, c'est finalement plus d'un million de morts, 15 millions de personnes déplacées au cours de l'année 1947 et des tensions actuelles encore extrêmement violentes. Donc voilà une naissance qui s'effectue dans le sang. Mais une naissance d'un pays qu'il s'agit d'inventer puisqu'il était fait de briques et de brocs, d'états princiers, etc. Le cas le plus connu étant celui du Cachemire. Le Cachemire qui a à sa tête un prince, c'est un état princier, un prince hindou, mais où la population majoritairement est musulmane. À quoi le rattacher ? Au Pakistan, à l'Inde, en faire un pays indépendant. La position du prince du Cachemire était plutôt d'aller vers l'indépendance, comme le prince de Bahawalpur. Mais finalement, la population souhaite le rattachement à l'Empire, au Pakistan, pardon, et donc, à partir de là, fait appel à des troupes pakistanaises, en fait des Pathans, des populations montagnardes du nord de l'actuel Pakistan, qui vont envahir le territoire. L'armée indienne, du coup, décide de réagir et ça débouche sur la partition du Cachemire, une partition qui est toujours effective à l'heure actuelle. Il y a un état de cessez-le-feu, les affrontements interviennent assez régulièrement là-dessus. Deuxième élément, comment faire parler d'une seule voix un pays qui est clivé en 3 grands morceaux, l'Inde du Nord qui relève de langues aryennes, des langues donc de type racine persane et qui sont les langues indo-européennes qui ont donné nos langues effectivement européennes, et le sud où on a des langues qui sont rattachées à la famille dravidienne. Des langues qui n'ont rien à voir et qui sont celles que l'on retrouve dans le pays tamoul, qu'on retrouve au Kerala, etc. Et puis, il ne faut pas l'oublier, dans toutes les régions montagneuses, des langues qui sont sino-tibétaines, plus des enclaves qui sont austro-asiatiques, les langues qu'on a par exemple en Indonésie, qu'on a en partie dans la Birmanie. Déjà, un très gros problème, puisque au total, au moment de la formation de l'Inde en 1947, on compte plus de 900 langues. Il en reste à l'heure actuelle à peu près 600 qui continuent à être fonctionnelles. Et le problème, c'est de savoir comment on communique. Donc, il y a une langue qui s'est imposée en termes de langue administrative, qui est l'hindi. L'anglais reste une langue de communication. Et comme l'Inde est un État fédéral, chaque État a la possibilité d'avoir aussi la propre langue, c'est-à-dire que par exemple, si l'on prend le Tamil Nadu, qui est un des États importants, très peuplés de la pointe sud, à la fois il y a l'hindi comme langue officielle, mais la langue administrative pratiquée dans le pays est le tamoul, et la langue de communication avec le Congrès, c'est l'anglais. Donc vous voyez les problèmes. Qui fait que, devant cette espèce de dédale, il y a aussi un enfermement des populations dans des groupes linguistiques qui, quelquefois, parviennent peu à échanger avec leur voisinage. Donc l'idée
même d'une Inde unitaire aujourd'hui au sein de la population relève plus du fantasme que de la réalité. Premier élément, c'est de voir comment ces États sont constitués. Alors vous les avez ici dans leur organisation avec la zone A qui est la zone dans laquelle la langue est une langue qui est l'hindi, qui est dominant, qui est la langue pratiquée par les populations et qui est la langue administrative. Ensuite, vous avez dans cette zone, donc l'hindi, 260 millions de locuteurs, plus 180 millions avec les variétés dialectales qui sont dans les régions. Ensuite, vous avez la zone B, qui est une zone dans laquelle on a des langues qui sont des langues aryennes, mais qui ont des vocabulaires assez différents de l'hindi de base, notamment par une très forte présence du persan à l'intérieur comme héritage. Et ça va s'exprimer par le fait que l'ourdou est totalement similaire à l'hindi. Les gens qui parlent l'ourdou peuvent à l'oral communiquer assez facilement à quelques difficultés de vocabulaire près, pas avec des locuteurs de l'hindi, mais c'est deux langues qui s'écrivent différemment. On connaît cette situation entre la Croatie et la Serbie, ce sont deux langues qui sont tout à fait parentes, et l'une s'écrit en alphabet latin, l'autre en alphabet cyrillique. Là, c'est la même chose. L'ourdou s'écrit en arabe, l'hindi s'écrit en magari, l'écriture indienne la plus répandue. Et enfin, le groupe C, c'est le groupe qui est constitué par les langues dravidiennes ou par les langues des minorités montagnardes dans cette espèce de zone, si vous voulez, qui sépare le Népal et l'Inde de la Birmanie. Donc voilà, linguistiquement, c'est déjà un gros problème. Deuxième pavé, on nous présente très souvent, si vous écoutez les journalistes, l'Inde comme la plus grande démocratie du monde. Alors si on regarde là encore dans les papiers, effectivement, tout Indien de plus de 18 ans est électeur, le scrutin est un scrutin uninominal mais à un tour, ce qui veut dire que c'est celui qui a le plus grand nombre de voix qui l'emporte, mais il peut avoir, selon l'émiettement de l'éventail politique, il peut être recevoir le plus grand nombre de voix avec 25% des suffrages. C'est lui qui emporte la mise. Ce qui pose quand même un problème. Le suffrage est un suffrage direct pour le Lok Sabha, c'est-à-dire pour les députés fédéraux qui se réunissent au Parlement à New Delhi, pour les assemblées de tous les États, je vous ai dit c'est un État fédéral, et évidemment pour tous les scrutins locaux. Mais il y a aussi des scrutins qui ont lieu au suffrage indirect, au deuxième degré, un peu comme notre Sénat. C'est pour ce qui concerne le président de la Fédération de l'Inde et d'autre part pour les Rajya Sabha, les Sénats des différents États. À tous les niveaux des circonscriptions, on a des postes qui sont réservés, donc qui ne sont pas soumis à élection, pour des candidats qui sont issus des castes répertoriées ou des tribus répertoriées. Et là, on va aborder, bien entendu, le problème des castes. Un certain nombre de catégories qui sont enregistrées, des castes répertoriées, elles ont un nom, elles ont des identifiants, et on dit, ben, pour telle caste, voilà, il y aura tant de sièges qui seront retenus, pour telle caste, tant de sièges. Et pour les tribus répertoriées, ça c'est pour des populations qui sont considérées comme totalement arriérées. Enfin, aux élections locales, un tiers des sièges est réservé aux femmes. C'est pas la parité, mais c'est quand même pas négligeable d'avoir cette proportion imposée. Voilà donc pour les éléments sur le papier, ça paraît tout à fait acceptable. Mais 30% des électeurs étant illettrés, le vote se fait sur un symbole. Alors ce symbole, il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est celui du Congrès, c'est une paume de main dressée. Celui du parti nationaliste, le Bharatiya Janata, qui lui est représenté par une fleur de lotus, ce qui est tout à fait étonnant parce que c'est une symbolique qui est associée au bouddhisme. Or le bouddhisme a été éradiqué complètement en Inde et récupéré par l'hindouisme. Il en existe 1761.
Donc vous imaginez le nombre de symboles qu'il faut arriver à trouver. Alors certaines de ces parties n'ont en réalité une audience que strictement locale, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un district, etc., ou sont représentatives d'une caste. Mais il y en a quand même 37 qui sont représentés à l'heure actuelle au Parlement fédéral. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Deuxième clé qui permet de nuancer cette grande démocratie, c'est l'achat des voix. Avec la distribution de cadeaux, à la veille des élections ou devant les bureaux, on vous donne un petit cadeau en même temps que le bulletin qu'on vous conseille de mettre. Et comme la plupart du temps, les gens, avec le revenu qu'ils ont, vont finalement pas être insensibles à 500 ou 1000 roupies qui leur sont données accessoirement, bon, ils vont mettre le bulletin dans la mesure où on va avoir le t-shirt plus le bulletin plus le billet. Donc c'est bon, on vote aussi comme ça. Et peut-être plus étonnant pour nous, c'est que les candidats présentés par les partis achètent leur siège, leur possibilité de se présenter sous l'étiquette d'un parti. Et ça se négocie très cher. En 2008, où j'étais en Inde, à ce moment-là, il y avait des élections au niveau fédéral, et c'était ahurissant, mais pour être candidat dans le Gujarat, il fallait payer 80 millions de roupies pour représenter le parti du Congrès. Alors évidemment, transformé en euros, ça faisait une somme qui peut nous paraître quelques dizaines de milliers d'euros, mais enfin, qui pouvait nous paraître négligeable, mais à l'échelle de l'Inde, 80 millions de roupies, c'était quand même une sacrée somme. Et ce qui fait que les élus, dès qu'ils sont en place, cherchent à rembourser ce que leur a coûté leur élection. Et ça passe par des pots de vin. Vous voulez tel marché, ça va vous coûter tant, etc. Donc un système qui est complètement gangréné par la corruption. Alors, à l'heure actuelle, vous avez des élections qui sont en cours depuis le 11 février jusqu'au 8 mars dans l'état de l'Uttar Pradesh. C'est l'état le plus peuplé de l'Inde. Il compte à l'heure actuelle plus de 200 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 4 fois la population française. Et trois partis dominent la course sur la quinzaine qui sont en compétition. Le BJP, le Bharatiya Janata, qui est le parti du peuple indien, représenté par le Lotus, de Narendra Modi, qui est l'actuel président de l'Inde, celui que vous avez peut-être vu à l'occasion des déplacements officiels, et qui est un parti nationaliste, de droite, voire carrément d'extrême droite, et s'appuyant sur le mouvement le plus sectaire de l'hindouisme, le shivaïsme. C'est le Samajwadi, représenté par la bicyclette, Akhilesh Yadav, qui, pour ses élections, s'est allié au congrès de Rahul Gandhi, qui est le symbole de la pomme de main. Alors, Akhilesh Yadav est représentative des basses castes, Mayawati, qui elle est la reine des intouchables et qui a pour symbole l'éléphant. Alors là aussi, avec l'accusation, ah oui, mais attention, l'éléphant, c'est Ganesh, les danseuses vous l'ont dit, donc c'est un symbole religieux. Et l'association de protection des animaux a protesté en disant comment on fait marcher ces bêtes au milieu des véhicules, ils vont s'intoxiquer avec les gaz d'échappement, c'est un traitement inhumain, il faut interdire la campagne, alors interdire d'abord le symbole de l'éléphant et interdire la campagne des Dalits, donc des intouchables qui utilisent et exploitent ces pauvres bêtes pour leur campagne. Alors, pour préparer ces élections, il y a eu un coup de Trafalgar qui a été réalisé par Modi et qui a consisté à supprimer les deux plus gros billets en circulation. Et c'est pour lutter contre la corruption, puisque la corruption passe par les gros billets. Si on supprime le gros billet, les pauvres, ils n'ont que des petits billets, donc ça ne va pas les toucher. Et c'est les gros corruptons, corrupteurs ou corrompus qui vont être affectés. Sauf que toutes les classes moyennes, parce que ce que représente un billet de 10 000 roupies ou autre, c'est pas grand-chose, ils n'ont pas tellement apprécié ce type de décision. Donc, une tension nouvelle à l'intérieur du pays. Troisième pavé dans la main, c'est au pays de Gandhi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et pas du tout. La violence est permanente.
Alors, je retiens ici trois personnages clés de l'histoire indienne récente. Bien entendu, Gandhi. C'est pas la peine d'insister, vous avez tous entendu son nom. Il appartenait à la caste des Vaishyas, des marchands, et il était d'obédience vishnouite. Il a mené un combat important contre la colonisation à travers l'idée que c'était la non-violence, la non-action qui pouvait venir à bout de la colonisation britannique. Et il a effectivement structuré autour de lui tout un mouvement qui a commencé dans les années 20 avec la marche du sel et qui s'est continué tout au long des années 30 et 40. Les Britanniques ne croyaient pas trop, mais enfin bon, il a quand même tâté de la prison, et ça a entraîné un mouvement de mobilisation relativement important. Mais il y en a un autre, Bose, qui lui trouvait que Gandhi était bien gentil et que rien ne valait pour mener la lutte de l'indépendance d'essayer de mener une lutte armée ou en tout cas d'intervenir violemment contre les troupes d'occupation britanniques. Alors Bose, j'ai pas réussi à trouver sa caste, a été membre du parti du Congrès, donc coopéré avec Gandhi dans les années 30. Mais il est entré en conflit avec Gandhi en 37. Gandhi l'a fait exclure du parti du Congrès. Et Bose, à partir de là, obsédé par la colonisation britannique, a cherché des alliés. Il a pensé d'abord à l'URSS, puis il a pensé à Hitler, et il a fini par se rabattre sur les Japonais, s'engageant à lever au bénéfice des Japonais une armée en Inde qui pourrait contribuer à chasser les Britanniques. Bose, évidemment, est apparu à la fin de la guerre comme le grand perdant au niveau des options. Donc, j'ai mis mort en 45, on n'en sait rien. Bose est revenu en grâce dans l'opinion indienne. Le nom de Bose est celui de l'aéroport de Madras et il a sa statue dans un certain nombre de villes, en statut équestre, en équipement de général, etc., parce qu'il est considéré comme un des héros de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, parce que pour les Indiens, le sort des Juifs et la Deuxième Guerre mondiale, le sort des puissances occidentales, c'est très loin, et pour eux, c'est pas vraiment le problème. Donc, un retour en grâce de Bose. Et j'ai dit Ambedkar, qui lui a connu un sort absolument étonnant, puisqu'il appartenait à la caste des intouchables dans le Maharashtra, à la caste des Mahars, avait pour spécialité de déposer les carcasses. Pour en retirer le cuir, c'était une autre caste qui traitait et qui tannait les peaux. Donc, il va plaider sans cesse la cause des castes intouchables. Et en particulier, donc il est au Congrès, il est très lié à Gandhi, mais avec qui il se dispute en reprochant à Gandhi son angélisme, en lui disant « Écoute, c'est bien joli que tu nous appelles les enfants de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour lutter contre les castes ?» Alors Ambedkar ne va pas faire de la lutte armée, mais va faire de la résistance pratique à l'indépendance. Il va lutter pour essayer d'assurer la promotion des gens, des castes intouchables. Et là-dedans, devant l'insuccès, l'impossibilité, alors la Constitution dit qu'on ne doit pas faire de différence de castes, etc., dans les traitements, dans la pratique, les castes, les Indiens vivent en permanence avec ça. Donc, c'est un échec pour lui. Et devant cet échec, puisqu'on refuse aux basses castes, mais hindouistes, de rentrer dans les temples. Ils n'ont pas le droit, ils pollueraient le temple. Donc on leur interdit de participer aux pujas, aux séances de purification et autres. Il va dire, puisque les hindous ne veulent pas de vous, c'est très simple, dites-leur que vous ne voulez plus d'eux. Et il va se convertir au bouddhisme et essayer d'entraîner derrière lui les castes d'intouchables à une conversion au bouddhisme. C'est quelque chose qui va avoir sur le coup un effet de sympathie
assez rapidement partagé, mais qui va s'arrêter, et le bouddhisme n'a pas véritablement repris audience à l'intérieur de l'Inde. Alors, à partir de là, il faut bien en arriver à parler des castes. Effectivement, la société indienne est une société complètement ligotée. Les Indiens sont d'une gentillesse absolument totale. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, qu'il faut dire, redire, mais parce que vous êtes des étrangers. Donc, a priori, soit rattaché à des gens hors caste, donc vous ne rentrez pas dans leur canevas sociologique, donc ils peuvent avoir des contacts avec vous, soit ils vous rattachent à l'ordre des brahmanes, parce que vous avez du pognon, vous êtes dans le haut de la société, vous voyagez. Donc le contact est possible avec les étrangers. Mais entre eux, il n'est pas question qu'il y ait au niveau des castes, des transgressions, des castes, les quatre, donc qui sont, castes, c'est le terme qui a été repris des Portugais, les Hindous définissent les Varnas, ce sont des divisions de la société qui ont pris corps vers 1500 avant Jésus-Christ, au moment des invasions indo-ariennes dans le nord de l'Inde, et qui sont à la base aussi de notre trilogie médiévale, avec ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, hein, les seigneurs, les prêtres, les moines, et puis les paysans. Ici, il y avait une autre caste qui intervenait, un autre Varna, donc on a les mêmes, hein, ceux qui prient, ceux qui guerroient, ceux qui travaillent, et il y avait la caste en dessous, en fonction de la pureté, qui était celle des serviteurs. Alors, les guerriers, les marchands, les guerriers, les religieux, les marchands, et puis ensuite toutes les basses castes qui étaient les serviteurs, mais qui sont, eux, dans le système des castes. Et puis il y a les intouchables, qui sont, eux, rejetés en dehors des castes, et qui n'ont pas d'appartenance de caste, donc c'est à eux qu'on a décidé de faire des castes répertoriées, ils sont enregistrés en tant que tels, et on leur réserve des places. Ça va à quelque chose de très fort. Dans beaucoup de régions, des États, mais en tant qu'État fédéré, ou dans un certain nombre de districts, il est interdit aux intouchables de porter des chaussures. Ils doivent aller du pied. Si on prend un intouchable avec une paire de tongs, il se prend une raclée. Il n'a pas le droit. D'accord ? Donc, à côté de ces castes, il y a, et c'est ça que les Indiens observent le plus strictement, les jatis, c'est-à-dire les naissances. On traduit ça aussi quelquefois par les couleurs. Il y en a près de 5000 dans l'ensemble des quatre varnas, et elles se hiérarchisent, ces couleurs, selon le degré de pureté qui est lié à la proximité ou à l'éloignement des sources de pollution physique. Les mares qui épaissent les carcasses sont dans la catégorie des intouchables, ils sont tout à fait à l'écart, ils sont en plein dans la pollution. Monsieur Grolier vous a dit que dans les incinérations, les basses castes sont près du Gange, et quand les cadavres ont brûlé, ce sont des intouchables qui s'occupent de traiter les cadavres, de récupérer les cendres, les nonos, etc., parce que les autres castes n'ont pas le droit de toucher un cadavre. C'est la mort, c'est la pollution, hein, mais ici en termes de pureté et pas en termes de saleté ou autre. Donc quelque chose qui fait que ces groupes de couleurs sont profondément hiérarchisés, ils sont endogames et leur appartenance est héréditaire. Alors hiérarchisés, effectivement, il y a des couleurs qui sont plutôt dans le haut du tableau, dans chaque caste. Il y a ensuite des comportements endogames. On se marie dans sa caste ou au mieux dans une caste qui, si le signe astrologique est compatible, peut être envisagé comme un mariage possible. Mais sinon, il faut que les astres soient d'accord. Sinon, pas question de sortir de sa caste. Et surtout, c'est héréditaire. Si vous naissez dans une famille intouchable, vous restez intouchable. Si vous naissez dans une famille de brahmanes, quel que soit ensuite ce que vous allez faire dans la vie, vous êtes brahman. Avec cependant une subtilité pour les brahmanes, mais alors là, qui va peut-être vous laisser pantois,
qui est que les enfants de Brahman ne sont pas les enfants de papa et de maman. Parce que dans le cycle des réincarnations, quand on a un Brahman qui meurt, soit il a atteint effectivement le stade de l'extinction, on peut effectivement, à ce moment-là, on n'a pas besoin de brûler, on peut l'enterrer, on l'enterre debout ou assis, il ne peut pas revenir, il a fini son cycle, il échappe à cette espèce de condamnation, comme vous l'a dit M. Collier, le danger de l'existence, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Donc ici, c'est la naissance. Donc ici, ces brahmanes, ils meurent. Mais il y a des gens qui, dans des castes, qui par leur conduite, ont mérité de se réincarner dans un ordre supérieur. Donc il y a des gens, des atmans, donc l'âme individuelle, qui a mérité de se réincarner en brahman. Donc comment faire? Quand il y a un brahman qui meurt, il libère de l'atman, et aussitôt, l'atman de celui qui doit se réincarner effectivement investit cette place, bascule dans le ventre d'une femme brahmane et il va pouvoir naître brahmane. Donc voyez un peu cette espèce de situation. Vous avez un espace intermédiaire dans lequel il y a des essences, des atmans, des soies personnels qui attendent la possibilité de gagner un utérus de Brahman quand ils l'ont mérité pour pouvoir se réincarner dans le dernier cycle de leur naissance. Donc, dans ces conditions, l'ascension, puisqu'on est héréditairement rattaché à sa caste, à sa couleur, l'ascension sociale en Inde ne peut se faire que collectivement par un reclassement de sa couleur dans la hiérarchie. Et c'est là que je vous disais que le fait qu'il y ait des castes répertoriées ou des tribus répertoriées qui vont avoir au niveau de l'ordre politique, de l'ordre social, des avantages avec une forme de place réservée à l'université, dans la politique, ailleurs, ben, finalement, elles vont avoir ici la possibilité d'un progrès social, de s'élever dans la société. Elles restent dans leur couleur, mais globalement, leur couleur a changé de statut. Et évidemment, tous ces systèmes de places réservées font hurler les hautes castes, et notamment les brahmanes, qui disent « Mais nous, qui sommes les plus compétents intellectuellement, on ne voit pas pourquoi on nous prive de place, on ne nous en met que 50% pour nous, en mettant à des gens qui ne sont pas compétents, qu'on va recruter simplement parce qu'ils sont dans des castes enregistrées ou des tribus répertoriées. » Donc, quelque chose qui est une tension sociale extrêmement violente entre les brahmanes, les kshatriyas, moins les commerçants, la caste des commerçants, par rapport aux hors-castes ou aux intouchables, donc aux serviteurs ou aux intouchables ou hors-castes. Donc un système qui est extrêmement violent et qui correspond à une vision organiciste de la société. Les brahmanes, et l'image de la pyramide correspond en gros à la quantité d'individus que vous avez dans la population, les brahmanes sont les prêtres, ils sont les gardiens des temples, la quintessence de la pureté. Ils sont la bouche, d'où sortent les paroles. Donc assimilation à un corps humain, la vision de la société indienne, c'est un corps. Donc eux, ils représentent à la bouche, d'où sortent les paroles, et la langue dans laquelle ils vont devoir émettre est le sanskrit. Le sanskrit est la langue d'adresse aux dieux, est une langue divine, et surtout, pollution extrême, elle ne doit pas s'écrire. Donc, on ne connaît le sanskrit que par la récitation. Le sanskrit qui s'écrit, il perd son statut de langue religieuse, il est déclassé, il sert à rien, vous n'êtes pas dans la langue de la religion, de l'expression religieuse. Le deuxième groupe, les kshatriyas, ce sont les guerriers. Ce sont les bras qui saisissent les armes. Et alors là, on a assisté entre 1500 et 600 avant Jésus-Christ, à un grand renversement d'ordre des priorités. Vers 1500, ce sont les rois qui sont la classe supérieure, les prêtres sont ceux qui connaissent les rituels, mais c'est le roi qui ordonne les rituels, qui le finance, qui le gère. Mais, à travers cette idée que seuls ceux qui possèdent la récitation et la mémoire du sanskrit sont aptes à gérer les rituels, les brahmanes vont finir par passer au-dessus du pouvoir
politique que représentaient les rois et les guerriers, et qui deviennent du coup les bras dans le corps, la tête, les bras. Les vaishyas, les commerçants, vont faire les jambes, les cuisses. C'est eux qui s'activent, ils sont principalement chargés de l'agriculture. Enfin, les shudras, le reste de la population, sont les pieds. C'est celui des serviteurs et des castes supérieures, brahmanes, vaishyas et kshatriyas. Puis enfin, il y a les intouchables. Alors, quand Gandhi proposait de les appeler Harijans, enfants de Dieu, Ambedkar s'est fâché et le terme qu'ils utilisent pour se désigner eux-mêmes et qu'on utilise pour les désigner dans la vie politique indienne, c'est les Dalits. Hein. Donc, eux, ce sont les intouchables. Ils sont exclus du système, mais ils revendiquent aujourd'hui, à travers ce système de places réservées, de castes répertoriées, ils revendiquent leur militantisme dans des mouvements politiques contemporains et évidemment, ils se présentent aux élections, ils ont des candidats et ils jouent de ce rapport de force, évidemment, dans l'Inde à l'heure actuelle. Dernier élément, toujours à propos de démocratie, c'est la religion qui est totalement industrialisée. Alors, instrumentalisée. Mais elle est aussi industrialisée, vous voyez. Instrumentalisée, pourquoi ? L'Inde est hindouiste officiellement à 80%. Mais il ne faut pas oublier qu'elle détient la deuxième communauté musulmane du monde, près de 200 millions de musulmans, c'est-à-dire deuxième rang derrière l'Indonésie, et pour le moment encore devant le Pakistan. Il semble qu'avec le taux de natalité qu'il y a au Pakistan, d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, disons 2030, le Pakistan deviendrait le deuxième pays musulman dans le monde. Or, ces 200 millions de musulmans sont répartis sur tout le territoire de l'Inde, principalement dans le nord, dans la plaine indo-gangétique, ce qui est une source d'affrontement, évidemment, avec les hindouistes, notamment depuis que le BJP a décidé de jouer la frange nationaliste et ultra-religieuse qui s'est terminée par l'épisode de 1992 de la destruction de la mosquée d'Ayodhya, une ville du nord de l'Inde, mosquée construite par Babur, donc au 15e siècle, absolument superbe, et où les hindouistes ont décrété que cette mosquée avait été construite sur le temple qui était le lieu de naissance de Rama. Rama, ce prince dont on vous a parlé, qui est un avatar de Vishnu, et donc le Bharat, le BJP, a lancé un mouvement, Prantabrik, et ils ont demandé à toutes les populations de l'Inde hindouiste de prendre une brique, de converger vers Ayodhya, où leurs troupes démolissaient la mosquée, pour essayer de retrouver ça. Alors évidemment, avec les pogroms anti-musulmans qu'il y a eu, ces porteurs de briques sont venus à pied, on vous a dit, c'est un pays de pèlerinage. Hein. Donc effectivement, avec leurs briques, ils ont traversé les villages, et à l'heure actuelle, à Ayodhya, vous avez des monceaux de briques en attente pour savoir ce qu'on va faire. Parce que finalement, le problème, c'est que les archéologues, après avoir gratté, alors on a stérilisé le site, on a regardé, on a bien trouvé effectivement que la mosquée de Babur avait été construite sur un site d'un temple religieux, mais qui était de l'ordre vraisemblablement du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, pas plus ancien que ça, et que de toute façon, la naissance du seigneur Rama reste en grande partie quelque chose de fantasmatique, et non pas quelque chose de réel. Donc on a bloqué la situation pour le moment, mais la grande revendication de BJP, c'est de dire il faut qu'on ait le droit de reconstruire le temple de Rama, hein, sur l'emplacement de la mosquée. Mais ce qui veut dire priver de la propriété de la terre la communauté musulmane. Alors, ça finit par passer devant la Cour suprême, qui a décrété que, oui, effectivement, la construite sur un temple, mais que c'était peut-être pas le temple de Rama, et que, effectivement, on allait permettre, mais on attend toujours le décret, la construction d'un temple dédié à Rama sur l'emplacement de la mosquée de Babur. De toute façon, cet hindouisme n'est pas du tout unitaire. Alors, on vous a dit, il y a trois branches, shivaïte, vishnouïte, plus ceux de Brahma.
la secte Brahmam qui est totalement anecdotique, mais en réalité, à l'intérieur de ces groupes, il y a des sous-sectes qui sont extrêmement nombreuses, qui non seulement ne s'entendent pas quelquefois entre elles, mais n'hésitent pas à se taper dessus, Vishnuites et Shivaïtes en particulier. Chaque Indien en religion a un maître. C'est donc essentiellement une relation individuelle qui se développe et qui peut effectivement déboucher sur le fait que l'idée, c'est le salut de soi par le rapport avec un maître, mais pas du tout par rapport à l'idée d'un clergé, à l'idée d'un rituel qu'on va répliquer collectivement. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu se développer, au moment où le congrès, dans les années 80, a commencé à être convaincu de corruption totale, se développer une idéologie fondée sur l'hindouisme qui est le concept d'Hindutva, concept d'indianité porté par le BJP, qui est que finalement, cette Inde malheureuse a été constamment polluée par les invasions et que les vrais Indiens, les purs Indiens, sont ceux qui ont hérité de l'hindouisme initial et donc ensuite toutes les invasions, quelles qu'elles aient été, sont venues leur faire perdre le sens de l'identité. Et en ce sens, c'est la religion aujourd'hui qui est la porteuse d'une identité nationale dans les limites d'un territoire dessiné par les Britanniques. Vous voyez un peu dans quelle extrémité on se trouve en termes de démocratie. Le résultat, ce sont des violences publiques et des violences privées. Violences publiques, ça commence en 48. Gandhi se fait assassiner par des brahmanes hindouistes qui lui reprochent d'avoir fait inscrire dans la Constitution qu'il n'y aurait pas de différenciation en fonction de l'appartenance de caste ou autre. On pourrait plus faire jouer cela comme un facteur de discrimination. Indira Gandhi, en 84, par les Sikhs, ses gardes du corps, qui la liquident, après l'intervention de l'armée indienne dans le temple d'Amritsar, qui va être considéré comme pollué par les troupes indiennes. Ravish Gandhi, qui lui va être assassiné par les Tamouls séparatistes du Sri Lanka, alors qu'il avait envoyé des troupes pour essayer de s'interposer entre les bouddhistes du Sri Lanka majoritaire et les Tamouls du nord-est, donc qui étaient hindouistes. Donc quelque chose qui sont des affrontements très violents dans le domaine politique. Mais des conflits interconfessionnels récents, je vous ai parlé en 92 de la destruction de la mosquée de Babur. En 2002, c'est le pogrom anti-musulman dans le Gujarat, qui est quelque chose d'extrêmement violent, dans la mesure où il va y avoir un incendie sur un train de pèlerins. Il y a une quarantaine de personnes qui meurent brûlées dans le train, et on en accuse évidemment les musulmans d'avoir incendié le train. En réalité, la commission d'enquête, mais 6 mois plus tard, va découvrir que c'est un court-circuit dans un wagon qui a déclenché cet incendie. Le feu est parti de l'intérieur et pas de l'extérieur. Le pogrom débouche quand même sur 2000 morts, sur des expulsions du Gujarat de musulmans qui doivent se réfugier sur d'autres territoires. Et à cette époque, le président de l'État du Gujarat, c'est Narendra Modi. Donc quelque chose où il inaugure sa carrière par ce pogrom. 2008, des pogroms anti-chrétiens en Orissa. 600 églises sont saccagées et les chrétiens vont devoir filer vers des territoires plus sûrs dans les grandes villes où ils peuvent se fondre dans la population. Certains vont descendre vers le sud, vers Madras, d'autres vont monter vers Calcutta, mais en tout cas, les pogroms religieux sont monnaie courante. Et je vous parlais de ces affrontements, et par exemple, quand on y était en 2006, il y avait toute une bataille dans le Gujarat, qui était Narendra Modi, pour savoir si, en pèlerinage, les intouchables auraient le droit d'aller au bord de l'océan Indien, sur une plage, pour faire leur dévotion, offrir, là-bas où on met des petites coupelles avec une bougie et qu'on livre à la mer, la plage leur était interdite. Et il a fallu que le gouvernement
de Delhi interviennent en disant « Bon, on va donner 10 km de plage aux hindouistes, de stricte obédience, c'est votre caste, mais on va garder quand même 2 km pour les basses castes et pour les intouchables. » Mais évidemment, à la limite entre les deux, qui n'était pas dessinée, coupée au cordeau, je ne vous dis pas les bagarres que ça a pu donner. Donc une société où on voit Gandhi, l'apôtre de la non-violence, l'Inde, les babas cool avec des colliers de fleurs qui vous attendent pour vous accueillir, qui vous jettent des pétales de fleurs sur la tête, etc. C'est un pays d'une violence extraordinaire, et d'autant plus extraordinaire, au sein des Indiens, qu'elle est considérée comme constitutive de leur appartenance à l'indianité. Hein, c'est ça qui est l'élément peut-être le plus terrifiant. Les violences privées, là aussi, j'en parlerai demain, comment une violence privée devient de la violence publique. C'est à travers le travail des enfants. On estime qu'il y a de 12 à 16 millions d'enfants de 5 à 14 ans qui travaillent au lieu d'être scolarisés. Chez les 14-18 ans, ils sont entre 80 et 130 millions, selon les sources. Vous voyez un peu la marge de flexibilité qu'il y a entre l'UNICEF et le gouvernement indien. Ça veut dire qu'on n'en sait pas grand-chose. Là-dessus, on sait que les enfants travaillent. Vous les voyez, quand vous visitez l'Inde, vous les voyez dans des reportages, c'est pas quelque chose de camouflé. C'est le premier pays au monde dans ce domaine pour l'exploitation du travail des enfants. Deuxième élément, les mariages précoces. L'Inde représente le tiers des enfants mariés dans le monde. Les mariages qui ont fortement reculé. C'est les mariages à partir de 4, 5 ans, 9 ans. Disons que pour les filles prépubères, c'est plus beaucoup pratiqué, mais ça existe encore. Par contre, à partir de 10, 11 ans, les filles sont couramment mariées et c'est quelque chose qui est considéré comme totalement incorporé dans la culture naturelle, normale et autre. Alors, ce mariage se fait dans le cadre de mariages arrangés. Il est de 1% des mariages qui se sont tenus en Inde en 2012. Mariage. Ça veut dire 99% sont des mariages arrangés. Alors, soit par les parents, soit quelque chose qui est plus important encore dans les villages, par les marieuses, par des entremetteuses, qui vont examiner les demandes des parents, mais en tenant compte des horoscopes que l'on peut établir et qui vont dire « Oh, pas du tout ce mariage, c'est court à la catastrophe, il ne faut pas le faire. » Au contraire, oui, celui-là sera effectivement un bon mariage. Dans les villes, les petites annonces ont commencé à apparaître, mais c'est pour la classe moyenne à la bourgeoisie, disons, indienne, parce que ça coûte cher de faire paraître une annonce dans un journal. Si vous voyagez en Inde, faites l'effort de prendre un journal en langue anglaise, allez à la page des petites annonces matrimoniales, généralement il y en a toujours une dizaine de pages, et vous verrez que ce qui apparaît, c'est que ces annonces sont classées par caste, sont classées par couleur, et qu'à l'intérieur de chaque descriptif, on commence toujours par énoncer la caste du père, la caste de la mère, la couleur du père, la couleur de la mère, la couleur de peau de la jeune femme. Plus elle est claire, mieux c'est, d'avoir un diplôme, et pas trop élevé pour permettre un diplôme universitaire, on est combiné au célibat, mais une fille qui sait écrire, qui est secrétaire. Alors ça, secrétaire, c'est très bien. Secrétaire, elle sait taper à la machine, elle sait écrire, elle sait maîtriser un ordinateur, ça c'est bien pour le statut. Donc voilà, sur ces mariages, et ça reste la norme, j'insiste, hein, la norme pour 100% des mariages dans les campagnes, 99% des mariages dans les villes. Le mariage d'amour, tel que vous allez le voir si vous restez pour le film de Bollywood, c'est une grande fantaisie, c'est un grand défoulement, un grand mouvement de catharsis par le cinéma, mais qui n'est pas du tout ce qui se passe dans la société. Un élément qui est monté en puissance dans les dernières années, à partir des années 60, quand l'Inde commence à émerger de la très grande pauvreté, c'est la question de la dot. La dot, c'est les parents de la mariée qui doivent l'offrir au jeune homme. Et évidemment, il faut qu'elle soit en rapport avec la qualité du jeune homme. Donc, s'il est dans la couleur plutôt élevée,
un rang plutôt élevé, s'il a un bon diplôme, s'il a... Il faut que la dot soit en proportion, non pas de la situation des parents de la fille, mais en proportion de la situation de celui qui va être épousé. Ce qui fait que, pour se marier, les parents d'une fille doivent quelquefois s'endetter jusqu'au cou pour arriver à caser la fille, à fournir la dot qui peut être exigée par la famille du prétendant. D'autre part, la dot est aussi quelque chose qui est un enjeu dans le sort des femmes. Bien souvent, lorsque la dot est épuisée, la question de la répudiation ne se posant pas, le divorce étant encore très peu pratiqué, la meilleure façon de pouvoir se remarier, c'est de tuer la femme et d'arriver à récupérer une nouvelle épouse qui apportera une nouvelle dot. Le nombre de femmes qui meurent brûlées dans un accident de cuisine en Inde est quelque chose de fantastique. Tous les jours, dans les journaux, si vous les lisez, vous avez au moins 2-3 cas rapportés, je dis bien rapportés, de ces morts de femmes dont on se débarrasse en les brûlant tout bêtement pour récupérer une nouvelle dot. Enfin, dernier élément, c'est celui de la mort, et qui fait que dans les villages, le Kapanchayat, qui est le, on dirait le conseil des anciens, le conseil des sages, se charge de surveiller non seulement la légitimité des mariages, mais aussi la façon dont se comportent les jeunes à l'intérieur du village. Et la sanction qui est votée est une peine de mort. Il y a deux filles de 15 ans qui rentrent un peu tard à la maison, sans autre forme de procès, les parents les tuent, les emmènent au bûcher et les brûlent encore à moitié vivantes, et le village ne dit rien. Il n'y a pas de possibilité de faire d'enquête. La police dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire comme enquête? Ils vont nous mentir, c'est même pas la peine qu'on se déplace. On ne trouvera pas de problème. Donc voilà. Et ça, j'insiste, c'est quelque chose où toute transgression se traduit par cette espèce de violence considérable qui est principalement une violence faite aux femmes. Et qui m'amène à mon quatrième pavé dans la mare, et qui est qu'au pays du Kama Sutra, on a essentiellement la violence du machisme. Alors, le Kama Sutra est un livre du rituel du plaisir, c'est comme ça qu'on peut le traduire, Kama Sutra. Il a été écrit vraisemblablement au 5e, 6e siècle avant notre ère, mais réécrit complètement au 6e siècle et destiné aux élites. C'est un ouvrage qui explique comment pratiquer l'amour pour essayer de faire plaisir à son partenaire, homme ou femme, en variant les positions, en variant les situations, etc. Et ceci a alimenté toute la culture religieuse, sachant que le désir est quelque chose qui est essentiel dans l'hindouisme. Vishnu, Shiva, c'est le destructeur. Hein? Vishnu est le conservateur. Mais comme vous l'a dit M. Grolier, l'idée du monde, c'est une idée de cycle qui se répète. Et à un moment donné, le monde s'éteint. Le monde s'éteint, il ne disparaît pas, il reste imprégné dans la mémoire de Vishnu. Mais Vishnu, il dort sur l'océan primordial, dans les anneaux du serpent Ananda, et il est bien abrité. Et à un moment donné, pour que quand même le monde se reconstitue, réapparaisse, il faut arriver à le réveiller. Et donc, on va lui faire toute une série de câlineries, et quand vous avez les représentations du Bouddha, vous avez sa parèdre, sa femme, qui est en train de lui gratter, lui chatouiller la plante des pieds, et vous voyez un lotus qui lui sort du nombril, et qui est l'émergence du monde qui va revenir à l'existence, qui sera entretenue à la vie par la danse de Shiva, jusqu'à ce que Shiva décide de détruire ce monde pour entamer un nouveau cycle. Donc l'érotisme est quelque chose de consubstantiel à la religion, et notamment au Xe siècle, dans l'empire des Cholua, on va avoir les temples qui vont se couvrir de ces sculptures que nous on trouve érotiques ou obscènes, selon le point de vue qu'on a, mais qui étaient d'une banalité totale sur les temples. Et pourquoi on a conservé ce Kajuaro?
Tout simplement parce qu'à la fin de la dynastie Chaulois, la ville de Cajuaro a été abandonnée, les temples ont été abandonnés, la forêt s'est réinstallée là-dessus, et c'est cet abandon qui a provoqué le salut de ces sculptures. Parce que quand les musulmans sont arrivés et ont vu ces sculptures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le marteau, la pioche, ils ont démoli tout ce qu'ils ont pu. Alors, il en reste, comme dans les grottes d'Elora, il en reste dans un certain nombre de temples du sud de l'Inde. Elles ne sont pas cachées, elles sont exhibées, mais c'est vrai que le plus beau répertoire que l'on a, c'est Cajuaro. Alors, le Kama Sutra a été traduit en Occident en 1875, et c'est ça qui a alimenté cette espèce de grand fantasme de l'amour dans le Kama Sutra. Après le harem des musulmans qui fait rêver avec les mille et une nuits au début du 19e siècle, c'est le Kama Sutra qui fait rêver les Occidentaux à la fin du 19e siècle. Quand on découvre ces temples, ils commencent à être étudiés en 1840, mais ils sont popularisés seulement à partir de fouilles systématiques entre 1900 et 1912, et c'est à ce moment-là que les premières images arrivent en Occident. Chaque temple abrite enfin les Devadasis, ces danseuses sacrées, mais très vite, elles deviennent des prostituées sacrées, puis de prostituées sacrées, de prostituées ordinaires, vendues par les prêtres à couple payé, et finalement, ça tourne un peu à ce que Shakespeare appelait les nunneries, les monastères, les couvents, et où la traduction, c'est bordel. Donc, quelque chose sur lequel les Anglais vont essayer d'interdire ces pratiques, mais qui sont une réalité, et qui fait qu'aujourd'hui, si les hindouistes célèbrent sans relâche le lingam, c'est-à-dire cette représentation du phallus sacré, cette pierre dressée au milieu du yoni, une espèce de petite coupelle qui va récupérer les fruits de l'arrosage du lingam, s'ils sont sans arrêt en train de l'honorer, finalement les Indiens ont intériorisé ce tabou du sexe, à la fois sous l'effet de l'islam et du puritanisme britannique, et aujourd'hui c'est une situation d'une société à peu près au moins aussi coincée que la civilisation musulmane. Donc quelque chose là dont il faut tenir compte en abordant la question des femmes. D'abord, à travers le sex ratio, c'est-à-dire la proportion de femmes par rapport aux hommes. Et je l'ai intitulé ici, non pas la bourse ou la vie, mais l'échographie ou la dot. Dans les faits, l'échographie, à partir du moment où elle a été rendue possible techniquement en Inde, a été pratiquée à grande échelle pour déterminer le sexe de l'enfant à naître. Avec, si c'est une fille, pas d'état d'âme, c'est l'avortement. Et donc, si vous voulez, on s'en est rendu compte et on a interdit la pratique de l'échographie déterminant du sexe. Sauf que cette interdiction n'est respectée que par le secteur public, les hôpitaux publics, qui représentent 15% de la structure hospitalière du pays, et les 85% qui fonctionnent dans le cadre de cliniques privées s'en vantent pas, font de la pub discrète, mais continuent à pratiquer les échographies pour sexe. Elles s'en font un fonds de commerce. Donc, en Inde, on a une chose absolument ahurissante. Si on met à part le cas du Kerala, où il y a plus de femmes à la naissance que d'hommes, donc ça c'est quelque chose déjà de tout à fait étonnant, dans l'Ariana, 861 femmes pour 1000 hommes. Donc ça veut dire que là-dedans, il y a un écrémage qui se fait par l'avortement. En moyenne pour l'Inde, en 1991, on était à 947 femmes pour 1000 hommes. En 2013, on est à 914. Et si on regarde dans les tranches d'âge des filles prépubères des 0-10 ans, on est à l'heure actuelle à 827 filles pour 1000 garçons. Le problème est donc là-dedans, globalement pour l'Inde, le déficit de femmes est d'au moins 43 millions de femmes, et ce qui se traduit effectivement par cette pénurie de femmes. On va en enlever au Népal, au Tibet, on les fout dans les bordels de la vallée du Gange, ou bien on les viole, même dans un bus, même dans un tram, en privé, quand on est en public, quand on peut tomber sur le poil d'une femme, parce qu'elle manque totalement. Donc, il est redoublé par la question de l'éducation des femmes.
Seulement 6,5% des Indiennes en âge actif ont un diplôme supérieur au niveau du collège. Et vous voyez pourquoi le collège, on va terminer, on aura son diplôme de secrétaire. C'est bien, on ne va pas s'emmerder avec une femme qui serait universitaire. Hein, oulala, pas question d'aller viser là, même chez les Brahmanes. Et deuxièmement, c'est que vous avez sur ces cartes les régions où vous avez plus de 50% de femmes alphabétisées. Mais cette carte, il faut la lire à l'envers. Tout ce qui est en jaune, c'est-à-dire effectivement les trois quarts du territoire, notamment les territoires les plus peuplés ici, des territoires peuplés par les hindous parlant l'hindi et hindouiste à tout cran, c'est la proportion d'une femme sur deux qui ne sait pas lire ou écrire. Hein. Seule région, le seul état en Inde, où 80% des femmes, un peu plus de 80% des femmes sont alphabétisées, c'est le Kerala. Parce que le Kerala jouit de deux particularités qui lui valent cet écart par rapport au reste du monde indien, c'est un monde en soi. Il a été très tôt sur les échanges internationaux avec les musulmans en direction de l'insulaire. Donc un territoire relativement ouvert par opposition au plateau, il faut imaginer qu'en arrière du Kerala, de la plaine côtière, vous avez une montagne, des escaliers montagneux sur 2-3 000 mètres, donc les Ghâts, et qui ont constitué une barrière naturelle. Donc déjà, dès la période romaine, il y avait des échanges ici avec le Kerala. C'était une zone où les Portugais sont arrivés très tôt. Il y a eu donc une évangélisation chrétienne qui s'est faite et qui a finalement pesé un peu dans le destin des femmes et qui, depuis 50 ans, est un État qui a été géré par le Parti communiste, donc Parti communiste marxiste. En Inde, il y en a trois partis communistes et qui, soit seul, soit associé au Congrès, a mené une politique tout à fait particulière pour le statut des femmes dans l'État. Donc un des États les plus avancés à l'intérieur du territoire, mais qui évidemment est un scandale pour le BJP. La conséquence, si vous voulez, c'est que, à côté des femmes, il faut examiner le problème des vaches. Alors, vous connaissez des souris et des hommes, j'ai renversé ma proposition, les femmes et les vaches. Les vaches, elles sont partout. Elles sont, par exemple, ici, dans ce magasin. Alors, vous voyez ici, sur sa monture céleste, Shiba, sur la vache Nanda, la vache qui est à l'intérieur du magasin, qui ne bouge pas, et que le propriétaire tient à garder. Parce qu'elle va lui apporter, à partir de sa sainteté, elle va lui apporter la richesse, la fortune, il va faire de bonnes affaires. Et dans notre voyage dans les campagnes, j'ai pris cette photo. Vous voyez qu'on est dans un tout petit village, les gens se déchaussent avant de rentrer dans leur maison. Par contre, la vache est rentrée, venait de pisser à l'intérieur de la pièce, mais c'est de très bon augure. Hein ? Le pipi de vache, c'est comme si vous aviez de l'eau bénite que le pape venait vous balancer à l'intérieur de votre séjour. C'est quelque chose qui se refuse pas. Troisième, c'est le souci écologique. Alors ça, vous voyez ça dans toutes les rues en Inde, les déchets de marché qui sont là, qui sont accumulés. Mais ce qui est intéressant, c'est sur la pancarte qu'il y avait à côté du marché, où on voit ici des sacs plastiques, et où on vous demande de ne pas mettre les déchets dans les sacs plastiques, parce que les vaches ne vont pas pouvoir digérer le plastique, et il faut donc en prendre soin. Donc laissez vos déchets en tas à l'extérieur, mais surtout pas dans un plastique. Et ça sera ma conclusion, c'est la sienne, mais c'est aussi la mienne, la phrase de Ambedkar, on mesure les progrès d'une communauté au degré de progrès auquel les femmes sont parvenues. Voyage en Inde, il y a tout un invisible de l'Inde qui est là, présent, et qui nous échappe complètement. Et cette religiosité est tellement incrustée, on en voit les formes, les plans, comment dire, mises en scène spectaculaires, les plans.